All right. Aïssé, de l'autre côté, ça passe. Ça passe, guys. C'est un plaisir pour me là ensemble avec nous encore une fois. Assoya, on a continué sous même lancée que nous avons gagné semaine. Nous avons commencé lundi. Hein. Et live Assoya, c'est pour nous continuer à sceller que nous avons commencé, que nous avons annoncé depuis lundi. Que nous avons bon série côté que nous avons porté information pour nous. Pour nous aider nous capable jumpstart année 2021, ok? Et pour monde qui t'a éventuellement voulu suivre toute série ça et pour t'regarder l'après une des l'autre, ok? Nous gagnons une playlist que nous allons organiser pour nous que nous mettez pour nous même sur Facebook, donc et playlist là nous publions déjà. Donc chaque fois nous faisons un live, nous mettez vidéo directement en dans playlist ça, en sorte qu'on capable garder yo dans une séquence, que nous même nous développer thème yo. Thème lundi passé hein, c'était découvrir qui business que vous capable faire, ok? Qui ça pour qui business pour me faire, qui business moi capable start, ok? Donc nous t'invitons pour faire un exercice, mais j'espère que gagnant nous t'ai fait exercice ça, guys. Et exercice là c'était pour nous capable aider comprendre exactement, ok? Comprendre qui ça bon là-dedans et qui ça moi rien me fait et qui ça qui bail qu'on parle ou pas me fait, qui bail qu'on bon là-dedans que peut-être ou capable faire plus bien que n'importe qui l'autre monde, mais qui bail qu'on bon là-dedans que ou pas nécessairement, qui bail qu'on rien mais on pas nécessairement sentir bon là-dedans. OK, l'on fait trois catégories ça yo, nous t'ai parlé de différents types de niches qui grand niche qui gagne, différents types de business que mon capable faire. OK, on capable faire business qui c'est plus done for you parce que ou fait pour monde là, on capable gagne business qui c'est plus done with you ou fait avec monde là et gagne model business là côté que ou fait de la modèle business là côté ou même ou fait les do it yourself côté c'est même qui fait et puis ou son produit, son service, son formation qu'on gagne qu'on capable vendre. Moi j'espère que nous t'ai bénéficié au maximum de monde qui était là, on était bénéficié au maximum de série ça, de premier live ça. Et on continue à souhait, hein. Étant donné que dans le premier live, on était parlé déjà de, et après d'identifier ça qui est capable de nous rappeler les super power. Hein. C'est super power. Ça ressent que, on va qu'on remet fait, et en même temps, qu'on remet, mais en même temps qu'on bon là-dedans, ça c'est super power pour là. OK? Et qu'on y a, ouais, comment nous capable d'identifier, yon, en audience, en groupe de monde, quand nous capable présenter yon offre, et que nous capable faire moun ça, vle, ça que nous-mêmes, nous gagnons pour nous offrir. Parce que business, pas bien que c'est deux grands barrières qui font. C'est deux gros barrières qui font. C'est innovation avec marketing. Innovation, c'est qui s'accompagne de nouveau, qui fait que ou même capable de différencier dans le marketplace. Hein? OK? Et marketing, c'est faire mon envelé, ça qu'on même ou bien pour offrir. Mais bien avant que nous capables de faire mon envelé, ça que nous même nous bien pour offrir, il faut nous connaître à qui est-ce que nous avons parlé, qui ça a ouvré exactement, qui problème nous avons actuellement, dans qui phase nous avons dans sa les customer journey, hein? Dans qui phase nous avons dans voyage que a fait en tant que customer, qui problème yo gen vraiment, qui pain point, OK, qui ça qui généralement qui point de douleur que yo gen la caillou, identifier ça yo et comment nous capable utiliser éléments ça pour nous faire bon marketing. L'idée c'est de comprendre principalement, OK, et de comprendre stratégie hein, parce que lorsqu'on gen big picture hein, toutes les bagages yo yo fait sens, OK, c'est pas une question de qui outil m'va utiliser, qui outil fait ceci, mais outil est supposé cadrer avec un bagage pour le faire, il est supposé cadrer dans cadre objectif, on va être spécifique qu'on veut atteindre. OK, c'est pas juste utiliser les outils pour utiliser les outils, mais qui ça les outils ça permet moi faire et côté lié entrer dans ça relais en conversion funnel moi. Côté lié entrer dans ça relais entonnoir de vente moi pour me capable faire que client ça qui c'est pour moi même moi c'est un total inconnu pour me capable venir positionner dans l'esprit client ça as a top of mind, je note dire moi venir top of mind en sorte que depuis client penser avec problème ça comment vous voulez de le résoudre là. OK, c'est vous même qui vite dans tête. D'accord? Donc nous gagnons notre appareil pour nous commencer pour nous aller à soi. Donc j'espère que vous prenez plume, vous prenez caillou, OK? Pour prendre note et en même temps tout, faire un plaisir guys, bah nous love là, juste partager live ça pour que au maximum monde capable gain opportunité joindre information ça et pour que vous capable venir poser question tout live à soi hein, pour nous capable aider essayer aider. OK? Donc ça nous va faire à soi c'est utiliser ça relais de use a minimum viable process. OK? Utiliser un processus qui puisse simple, OK, parce que bah il y a pas rien pour compliquer, d'accord, pas rien pour compliquer, c'est utiliser processus qui pour puisse simple pour atteindre le résultat qu'on voulait atteindre. Sous t'es fait exercice que nous t'ai fait lundi passé hein, et où t'es honnête ensemble avec ou fait exercice dans chantou supposé faire ou t'as supposé déjà identifier, OK, bagay ça que ou même ou remet et qu'on est bon là-dedans, bagay ça que ou juste pas remet fait et bagay ça que ou remet fait mais ou pas nécessairement bon là-dedans. Côté nous pas focus c'est ça qu'on bon là-dedans yo et qu'on remet fait yo, c'est eux même qui super power pas, c'est eux même qui et pouvoir qu'on gagne, qui c'est super power qu'on gagne, d'accord? Et nous allons comment nous allons utiliser ça
pour nous capables servir une communauté, quand on capable venir dans communauté ça, un monde qui capable influencer, capable changer, ou vous non influencer dans communauté ça, c'est à dire que son monde qui inspire monde à changer et façon de penser, action, yo décision que vous capable un monde qui aider monde prend et passer au next level dans vie par. Ça qu'on moi toujours remarqué. OK, nous va saluer moun ki en bas live là, mais moi quand pile commentaire qu'a monter là, moi m'a pile sur nous guys. OK? Et ça que nous toujours remarqué c'est que pigo bagay qui camper entre ça on moun vle fait, vle accomplir dans la ville avec ça que li réellement rivé accompli, c'est que en pile fois moun ça yo dépassé, comme si yo confus. OK? Je dis en moi en anglais, on cherche un mot qui overwhelmed. Parce que moun ali super dépassé parce que li gen information là, li tande ça, li tande moun di ça, li tande moun di ça. OK? Yo finalement pas fin gon process. OK? Yo pas gon processus qui clair pour dire OK. Mais côté m'a commencé, mais ça next, mais ça vient après, mais ça m'a fait après, mais côté m'a aller. Parce que autant de tout, autant de tout différent type de son cloche. Que moun ki dit fais ça, c'est ça qui marche connait. C'est ça qui marche connait. Fais ça, c'est ça qui marche connait. Mais lorsqu'on réduit toute bagaille à un process qui pour même fait sens et on comprend son affaire, hein. Eh bien, quel que soit ça, on nous présente, on regarde, OK, qui côté ça, même ni entrer dans le processus que je voulais accomplir pour arriver à atteindre le résultat. OK? Donc, on déjà identifié qui sont voulait faire, on déjà identifié le talent, que bon Dieu, bah, OK, c'est super power pour là. Je veux dire, nous allons établir le processus. OK? OK? Donc, quel que soit ça, on voulait vendre, OK? Le plus gros bail qui est important, quel que soit ça, on voulait vendre, OK? Bail qui est plus important, c'est gagner un bon offre. À répéter encore. Quel que soit son voulez vendre, OK? Parce que comme vous voulez faire, les soit dans poche pour l'autre monde ou bien son l'autre compétiteur qui a fait comme ça avec client. OK? Donc à soi nous parler d'apprendre comment pour capable bâtir offre ça parce que quel que soit son voulez faire, quel que soit comme vous voulez faire, c'est un offre pour faire pour mon capable que soit profil là fait sens pour les que les même de faire business ensemble avec vous. Donc quel que soit son voulez faire là, bagaille qui est plus important pour ta supposé apprendre focus sur lui pour m'apprendre maîtriser les plus que n'importe quel autre bagaille. Et quel que soit soit vous voulez vendre, vous supposez apprendre, maîtriser, comprendre comment vous êtes capable de présenter un bon offre. Mais avant que nous entrions dans le point ça, okay, c'est ça que nous allons parler à soi. Il y a trois barrières pour maîtriser. Vous allez maîtriser, apprendre comment vous faire un bon offre. D'accord? Lorsque vous maîtrisez offre, il faut comprendre comment vous allez vendre. C'est ça le sales process. Lorsque vous prenez offre, vous allez faire, il faut comprendre le sales process. D'accord? Et lorsque vous finissez comprendre sales process, là, d'accord? Et qu'on a finalement, on va connaître pour connaître quels outils on va utiliser pour être capable de faire que tout ça marche. OK? Parce que nous n'avons pas parlé de outils avant. Les outils, c'est le dernier élément qu'on considère. OK? Ce n'est pas des outils d'abord et puis après, ça pourra chercher à comprendre ce qu'on va utiliser. C'est d'abord comprendre qui sont pour le faire et qu'on a l'offre qu'on va le faire. Nous allons comprendre d'après quels outils nous allons utiliser qui pourraient nous arriver à atteindre le résultat. Mais le premier élément, c'est comprendre d'abord qui ça offre ou en lié. Et pour nous capable comprendre ça offre ou en lié, OK? Nous allons entrer dans un processus de validation. OK, validation c'est ça qu'il faut qu'on ait exactement. OK, est-ce que ça me veut vendre ou bien ça me veut offrir mon parce que nous va dire tout OK, mon bail que moi me fait bon là-dedans, moi pense que me ca vendre ça. Mais faut valider l'idée d'abord, faut make sure d'abord que est-ce que ça me veut faire ce que moun qui veut vendre. Est-ce que moun pardon qui veut acheter, est-ce que moun qui déjà a vendre. Est-ce que moun qui déjà pas acheté bagage ça, c'est les existing buyers, OK? Moun qui t'a pas acheté. Est-ce que il y a compétition qui t'a appelé vendre by existing buyers ça? Parce que pas bien nous encore quelque soit comme vous voulez faire, comme ça, l'histoire dans poche client moun ça qu'on voulait atteindre, un buyer qui a pas acheté de l'autre côté mais qui pas acheté dans moi ou bien ils est simplement comme ça dans poche yon compétiteur. Donc faut nous apprendre d'abord pour nous valider quelle que soit idée ça nous va le faire, quelque soit ça nous va le faire, OK? Quelque soit soit d'able faire. Nous allons d'abord identifier offre. Hein? Et pour identifier offre, là, nous avons besoin de trois bagailles. Nous avons besoin de comprendre d'abord, OK, et est-ce que y a des gens qui ont acheté, ça m'a potentiellement voulu offrir. Hein? Est-ce que y a des compétitions qui a vendu, OK, qui a fait advertising pour lui, qui a payé quoi pour lui, qui a capté attention de gens. Parce que si y a payé quoi, ça veut dire que y a des quoi pour faire. OK, et en même temps, nous avons besoin de vérifier, est-ce que Nexa qui a vendu, il a fait quoi, mais marketing n'a pas fini de bon, passer ça. Donc si Nexa qui a vendu, qu'a fait comme et marketing pas fin bon bah c'est ça, ça veut dire que nous mêmes ou même à partir de ça nous allons montrer dans série que nous allons faire semaine ça et semaine prochaine, donc on va comprendre exactement comment vous capable présenter offre, comment vous capable arranger marketing en façon capable beaucoup plus intéressant que par compétiteur que sa compétiteur fait pour capable innover parce que parler encore business c'est innovation plus marketing pour innover dans façon qu'on fait en façon pour capable prendre market share ça pour prendre business ça pour ramener clients vers ou même. OK, donc avant nous aller plus loin guys, tant pis s'il vous plaît, partager live là. Après ça nous gal sous bord là, ba nous préambule là, partager live là pour inviter les amis nous et ba aller là pour me capable saluer moun yo. OK, qui en bas live là, m'a saluer Julie qui présent, m'a saluer James P, m'a saluer Kevin qui là,
Je salue Joe, Solijo, Nelly Saint-Preux qui l'a bonheur à soi. N'est-ce pas, forme Solijo? Je salue Alien Guerrier, je salue qui l'a dans Kailan là. Je salue Guerrier là depuis Chili, je salue tout le monde Chili. Ok? Aïssé, tout côté, 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 nous salue nous net. Manus Millien, je salue Wode. Je mets présent pour François Wilkins. Ok? Ok? N'a pas continué à bon travail là, Manus. Merci en pile. Giverson Formule. Yeah, merci brother, m'apprécie ça en pile. Ouais, merci en pile. Et moi Kadhafi Panfil qui là à soi à tout. OK. Moi Kingsley Pierre qui là. Allez, nèg en forme brother, nèg en forme grâce à Dieu. Un peu fatigué, nous tellement gain bagaille pour nous faire mais nous là, n'a kembe. D'accord? Et nous gain docteur Zachary tout qui là à soi à nous saluer Zachary depuis l'Espagne en Europe. Donc nous saluer tout le monde qui là à soi. Robertson Frezin. Bon, moi, salut à tous qui connectez sur YouTube là. C'est un plaisir pour moi avec nous à ce moment, guys. So, pendant monter là, et Ayanis qui l'a tout, ok? Aïssé tout côté présente. Yes, yes! Ok? So, pendant nous monter là, guys, t'en prie, s'il vous plaît, partagez pour moi avec live là. Et puis, nous allons entrer dans Nidigudi Bayo. Bon, commencer pour me capable partager l'écran parce que le visage n'est pas important. Ok? Donc, partagez l'écran ensemble avec nous. Donc, make sure que je partage l'écran là. Ok? Et nous allons entrer dans Nidigudi Bayo. OK, so, m'espère que nous voyons comme, eh bien, nous partis. So, nous t'avons dit tout à l'heure, OK, nous t'avons dit tout à l'heure, râle caillot, râle plumon pour prendre note, d'accord? Donc, ça, son formation côté car, éventuellement payé pour lui, d'accord? Mais nous avons décidé pour nous jumpstart année 2021 sur le bon pied. C'est-à-dire que même si l'on marche dans la batterie, comme si les descend net, les depleted, OK? Et au besoin de monde qui pour passer au câble pour le jumpstart tout, eh bien, c'est ça nous-mêmes nous voulons faire dans la série ça. Et peut-être ça nous relève Edo Jumpstart année 2021. OK? C'est comme ça nous relève. Et c'est comme ça tout. L'on va aller dans la page nous. On va aller le Facebook playlist que nous faisons. Hein? Nous relève Jumpstart 2021. OK? Comment pour Edo Jumpstart année 2021? So, nous allons appliquer un processus. Côté nous allons utiliser une méthode qui pisse plan. OK? Pour Edo passer dans tout blocus, tout ça qui est capable éventuellement bloquer, qui fait qu'on peut arriver. Soit côté du voulais accomplir, soit tu voulais accomplir. Parce que ça m'a remarqué, j'aime te dire tout à l'heure, je vais répéter peut-être moins. En pile fois, ça bloque les gens, ça sépare les gens de ça que vous voulez accomplir et ça que vous réellement voulez accomplir, c'est parce que dans le processus, là, vous êtes dépassé par les événements parce que tellement d'informations, tellement de confusion, et vous n'avez pas un processus qui est clair. Et l'objectif, là, c'est d'avoir un processus qui est clair. Ça. Et quel que soit ce que vous voulez vendre, une fois que vous êtes identifié dans la série que nous avons fait lundi, dans le live que nous avons fait lundi, si vous avez fait l'exercice, vous identifiez what your superpower, qui ça fait que vous-même vous différenciez, qui ça fait qui différencie de l'autre monde, ou bon bagaille que vous-même ou rien mais fait que vous bon là-dedans plus que n'importe qui monde. Et que bagaille tout que vous pas rien mais fait. Nous pas focus sur ce bagaille mais fait. Nous pas focus sur ça que vous rien mais fait que vous bon là-dedans et on bagaille éventuellement que vous rien mais fait, mais pas nécessairement believe que vous bon là-dedans assez. Bagaille ça qu'a toujours improve sur yo. Ou qu'a toujours améliorer sur yo. D'accord? Et exercice que nous t'invite au faire nous dit tout. Si tu es capable d'identifier 3 à 5 produits, que si tu as existé, la vous a changé complètement, ok? Ou tu es supposé faire une liste de ça. Mais c'est pour que tu fais exercice ça, quand tu te dis, si je suis 3 à 5 produits, si tu as existé, tu as fait que la vie, chaque jour, je me lève, je me sens la vie, wow, I'm living my best life, ok? Si tu es jeune produit ça, ou tu identifies, ou tu as une liste là, donc tu as fait processus brainstorming ça, pour aider, ok, qui produit je vais venir avec, qui est capable de venir avec, pour m'aider aider. Et audience moi pour m'aider en série de monde parce que quelque soit ça nous voulons vendre comme là dans mon poche li nan poche l'autre monde ou bien c'est un compétiteur qui a fait comme là à moun ça que qu'on a fait comme avec yo d'accord le même premier bagage que nous besoin pour nous joindre attention moun ça ça que supposé clair pour nous c'est que nous supposé gagner ça relé un bon offre m'appelle que en anglais nous relé ça un offer OK donc mais en bon créole nous relé ça un offre pour moi c'est écrit ça là OK ou supposé pas ca mettre accent là but on juste que les long offre comme ça guys. D'accord? Donc, ça, c'est le premier bagage qu'on a besoin. Ou besoin de make sure que vous-même, vous gagnez un bon offre. Offre là, c'est ça ou à vendre. Bon, je suis retourné là. Vous m'écrit, c'est ça ou à vendre. Ou bien, peut-être, vous avez un bon déjà. Ou à vendre. Ou bien, vous voulez vendre. Ou voulez vendre. OK? C'est ça qui offre. C'est ça ou à vendre là, ou bien ça que vous-même, vous gagnez intention de vendre. Mais avant même que ou même ou voulez vendre nos bagages, avant même que vous avez décidé de vendre nos bagages, on a dit que vous avez déjà vendu. Donc, si vous avez déjà vendu, à partir de série ça, nous allons montrer comment vous vendre plus bien toujours. Pas inquiétant. Okay? Mais si vous avez déjà que vous avez vendu déjà, objectif nous à ce c'est aider à apprendre à définir comment vous venir avec un offre pour capable qui capable vraiment capter l'attention customer là, client idéal qui va acheter dans le monde.
Mais pour faire ça, vous supposez passer off ça dans un processus qui est un processus de validation. OK? Faut que capable valider l'idée. D'accord? Quelque chose qu'on va faire, faut qu'on valide. Et pour valider, il y a trois bagailles vous supposez gagner pour capable valider quelque off ou même ouvrir venir avec là. Donc m'a mettre trois petites flèches là pour nous capable identifier trois bagailles ça que nous avons besoin pour nous capable valider bon faire de l'autre façon. OK? Trois bagailles ça que nous avons besoin pour nous capable valider ça que nous besoin faire. D'accord? D'abord OK, d'abord pour nous valider ça que nous voulons vendre, nous supposons assurer nous est-ce que gagne monde qui a acheté déjà? OK, c'est relé ça existing buyers. OK, est-ce que gagne monde qui a acheté déjà? Soit même voulons vendre. Est-ce que gagne compétition qui existait? En plus fois gagne monde qui perd compétition, ça c'est dans série ça on va apprendre que vous supposez apprécier lorsque gagne compétition. OK, compétition. D'accord? Vous supposez apprécier lorsque compétition. Parce que lorsque vous avez compétition, il juste vous signale que idée hein, OK, ou gain ça relayon proof of concept ou get assure que idée est identifié hein, trois produits ça ou bien cinq produits ça côté fait dans liste ou on dit si tu as existé, ou tu as fait que là vous vienne plus agréable hein. Vous dit OK, m'pa premier monde qui pense avec gain compétition, gain monde qui ça veut dire que si gain compétition ça veut dire que gain existing buyers, gain monde qui a acheté déjà. OK? Et qu'on y a si next ça que qui gagne compétition marketing yo pas bon on mette là nous pas mettre symbole ça là non mettre là guys ou ta ouais que yo gagne bad marketing après le bad marketing par exemple web page landing page mal design yo gagne lien qui pas fonctionner sur website yo campagne fait sur Facebook il pas être intéressant yo pas bien target audience là ou gagne impression que copywriting yo pas bon soit que yo gagne bad marketing donc ça bon yo bon chance ou dit tout OK à partir de là moi capable utiliser espace ça pour m'essayer qu'on y a bad compétition là parce que ça bon yon competitive advantage d'accord. Donc une fois que nous faisons processus validation hein, donc hein, validation c'est ça nous allons apprendre faire là c'est identifier idée que tu gagne hein, quelque soit idée côté ou tu dis dans trois dans liste côté faire dans cinq trois cinq idées que me dit listé hein, qu'on a nous allons essayer valider idée ça hein. Une fois que nous fin valider d'accord ça c'est première étape là. Une fois que nous fin valider deuxième étape là ça que nous allons apprendre faire non là c'est pas nous faire ça soir c'est pas non l'autre live deuxième bail que nous allons apprendre faire nous allons apprendre gagner ça relé un sales process OK ou bien c'est ça relé your funnel d'accord c'est ça autant de monde relé funnel là OK l'autre de monde dit un conversion funnel ou bien un funnel c'est ça relé sales process là sales process ça OK funnel lui juste dit mais comment me vendre ça me va vendre là mais qui processus que me va utiliser pour me vendre ça me va vendre là et pour nous capable arriver là nous supposer faire ça relé pour nous capable gagner un bon funnel nous supposer faire ça relé competitive research OK competitive OK research avec là competitive research là au besoin ouais exactement OK comment customer là li vend produit là OK comment li vend ni OK est-ce que gen bagay que ou gen impression que li mal fait dans sales process li en dans funnel li et qui ça nan bagay que le mal fait ou que ou même ou capable innover sur yo parce que pas oublier encore business c'est deux bagay c'est innovation plus marketing donc identifier à partir de competitive research qu'on va le faire hein, on va identifier on va étudier compétition là pour qui ça dans sales process là parce que yo là déjà ou get, parce que on connaît que si les compétition c'est parce que yo connaît gain existing buyers d'accord depuis que compétition ça veut dire que gain monde qui déjà là qui a acheté tout d'accord excusez-moi. Ah, OK, c'est une compétition, donc c'est que gain potentiellement gain existing buyers. Donc si moi connais que ça marketing pas fin trop bon, yo gain bad marketing, OK? Ou bien relatively bad marketing, marketing pas fin trop on point passé ça. Donc on a m'a appelé étudier sales process yo et pour me dire avant de venir avec sales process pas non, m'a pas juste réinventer le from scratch. OK, pas bien que moi toujours dit, moi pas fanatique réinventer la roue. OK, moi pas on est qui réinventer la roue, moi juste pour un bagage m'améliorer sur lui. Donc nous pas utiliser ça relé competitive research pour nous exactement qui ça compétiteur n'en fait que il pas fin bon là-dedans à toi. Et comment moi-même moi qu'à innover sur ça le faire en sorte que qu'on y a moi capable battre lui dans même game ni OK et qu'on y a une fois que moi ça troisième étape là dans le processus ça nous va dire qu'on y a pour nous faire tout ça qu'on y a on va dire quels outils que m'a besoin d'accord c'est là outils on rentre d'accord que nous va parler des outils avant c'est qu'on y a on va dire OK quels outils me besoin pour me capable arriver faire ça me besoin faire d'accord par exemple est-ce que moi le besoin gagner. Et généralement, parce que nous avons identifié les outils, ça, d'accord? On a parlé de social media account. On a besoin pour gagner un account sur social media, Facebook, Instagram, Pinterest, OK? Qui côté audience moyen, OK? Qui plateforme pour m'aller joindre? Parce que ce n'est pas comment c'est où je vais faire Facebook et puis après ça, on va que va, ou par contre qui sont prêts à le faire, par contre qui contenu pour créer, ou par contre qui sa audience a besoin vraiment, et puis ou simplement là, on peut répéter et puis copier sa compétition là. Ce n'est pas ça, vous voulez. Ou supposez comprendre d'abord
Lò fin valide idol lan, ouè ki sa kompetisyon la fè, ou konè ki gen existing buyer, ouè ki man marketing yon, souè marketing yon pa fin non point passe sa, ou komprenne sales process yon, ou gade ki lou fol, ki problem yon gen nan sales process yon, konmen mou kapab inove sou li, kon ya ou dite tout, ok, ki zout si mbezwen pou mou fè ke tout sa li menm ni posib, eske ma bezwen social media account mwen, par exemple Facebook, Instagram, Pinterest, kote audis mwen yon, ki kote pou mye pou mjwen yon, eske mbal bezwen gen sa rele yon website, ok, eske mbal bezwen yon site, ok, pou mwen, pou ke mwen mèm mwen kapab jwen, et pou ke kostom mèm lèm kapab fèl vin sou website mwen, et a partir de la fèl antre an da funnel mwen. Eske mwen bezwen tout, on fason pou mwen jwen kop nan mè klien sa, paske pabli, se kop nou bezwen pren nan mè klien, nou bezwen bayon on off, nou bezwen bati yon off pou yo, on bagay ke yo santi kaede yo, et pou yo jwen off sa, bien sûr, fok yo gomay yon tou yo kapab pay yo. OK donc est-ce pour ça on va le besoin gagner on paye par l'account est-ce qu'on va le besoin gagner on Stripe account donc c'est là on va connaître exactement qu'est-ce qu'on va le besoin et on va souvent besoin d'outils ça yo et finalement est-ce que nous va le besoin et dernier bail que nous ca mettre là est-ce que nous va le mettre tout yo nous ca mettre ça là comme ça OK on va le besoin bâtir tout yo email list OK pour que ça email list dans les vins important donc juste taper ça de préférence parce que écrire pas fin trois pas fin trois fois avec nous là OK dernier bail que nous va le parler nous va le besoin est-ce que nous va le besoin email list et email list ça est vraiment important parce que pas oublier dans marketing traditionnellement il y a toujours dit the money is in the list OK l'argent c'est dans la liste là qui quantité monde que vous gagnez OK qui dans les sous pour capable email yo constamment pour bâtir une relation ensemble avec eux c'est là et avec problème que nous gagne avec Facebook aujourd'hui là que nous connaît ça relé et cookie apocalypse tout problème qui gagne actualisation qui pas fait et la guerre qui a fait avec Facebook pour problème pour targeting non donc les jours dit beaucoup plus et important que ou assure que ou gagne ou bâti email list et c'est peut-être ça dans outils que nous n'a considéré nous pas ta mettre email list là en dehors des outils ça donc ça c'est généralement des outils de base qu'on va connaître ou a besoin on social media account parce que ça c'est nous à l'ère du social media ou a besoin assure qu'on website on façon pour prendre dans mes clients OK est-ce que nous va utiliser PayPal est-ce que nous va utiliser Stripe est-ce que nous va utiliser ClickFunnels pour parce que ClickFunnels est tout gain Stripe là-dedans est-ce qu'on va utiliser qui l'autre bagarre qu'on va utiliser est-ce que on va le besoin et comment même on va l'utiliser pour bâtir email list et laisse on va connaître exactement qu'est-ce que tu as besoin pour bâtir email list qu'est-ce que tu as besoin pour faire website est-ce qu'on va utiliser WordPress est-ce qu'on va utiliser Shopify pour faire website là OK laisse ça on va effectivement finir par connaître quels outils exactement ou besoin donc on va passer dans première phase là là que nous comprenons processus là nous processus là nous en général mec quand qui j'ai lié on va passer dans la première partie hein côté nous va parler de off là parce que c'est là nous voulons focus aujourd'hui nous va parler où de off là. Mais j'espère que tout ça est clair pour vous guys. Donc c'est là nous allons passer temps aujourd'hui hein, et donc comprendre ça qui off là. OK? Pas oublier que nous étions dans le dernier live là, il y a généralement trois marchés qui vraiment indestructibles. OK? Il y a trois gros marchés qui vraiment indestructibles depuis quel que soit produit qu'on peut lier dans trois grands markets ça. OK? Nous sommes capables de dire même cinq, OK? Mais il y a trois grands markets que quel que soit produit ou bien service ou voulez mettre dehors, il y a dans une ou bien dans trois grands marchés ça. OK? Premier, c'est bagage qui a rapport avec l'argent. OK, on dit c'est premier c'est money, l'argent, d'accord? Money ou bien wealth, vous avez dit ça déjà, création de richesse, d'accord? Ou bien bagarre qui rapport avec richesse. OK, moun besoin faire plus quoi, mais généralement et généralement nous capable dire que niche ça il performe très bien lorsque économie il mal à performe. L'économie en pas bon, généralement et niche tout bagarre qui rapport avec faire richesse, faire comme online ou bien faire comme dans multi level marketing ou dans Patreon pay dans MTI, on va connait dans whatever ça bagarre ça généralement moun a plongé sur yo généralement passé très très bien. OK, yo généralement passé très très bien. OK, et deuxième niche que deuxième gros niche moun gen c'est love and relationship. OK, tout bagay ki gen rapport avec relationship. OK, et troisième gros niche, OK, ki gen c'est tout bagay ki gen rapport avec santé, health. OK, et nous avons dit health, beauty. OK, beauty, d'accord, tout ça qui gen rapport avec santé ou bien apparence personnelle ou bien santé ou beauté en général. Et nous avons même dit qu'on quatrième dans cette étape entertainment. OK, entertainment. Nous allons entrer là-dedans, moi pas acteur, d'accord? Et game l'autre niche nous avons les vices, OK? Et vices là c'est tout bagarre qui rapport avec monde qui utilise drogue etc. Donc ça est pas bagarre que nous pral entrer là-dedans. OK, entertainment et bah ça yo. OK, nous juste vous mentionner là parce que yo existait, d'accord? De toute façon, yo existait, mais c'est pas yo même que nous même nous pas le dire, mais c'est peut-être ça moi dit nous que généralement aux gens trois gros niches ça yo, OK, qui dans n'importe quel que soit produit ou service ou prend, il tombe dans une dans trois catégories ça. Yo. Soit c'est un bagage qui des monde fait comme, il a rapport avec génération de richesse, wealth, money ou bien love and relationship, OK? Ou bien health and beauty. OK, ça c'est trois généralement gros niches yo. OK?
Ça m'a recommandé, c'est que si vous même pouvez développer un bail, si vous voulez développer un bail dans un bail qui a rapport avec la création de richesse, ok, en tant que, sauf ou pensez qu'au bon là, en tant que vous êtes un docteur, en tant que vous êtes un coach, ou son business coach, ok? Donc, nous pas recommandé à l'entrée dans un bail de création de richesse, dans ce pas un monde qui, bien sûr, ou fait succès déjà dans le business, ou fait succès, et puis succès ou son bail qui est redondant, tout le monde connaît qu'on fait succès dans le business, etc., ou bien compagnon, etc., qu'on fait succès dans le business, ou bien que son bail que ou vraiment maîtriser. D'accord? Parce que, il y a un paquet de régulations dans le marché advertising, surtout sur Facebook, il y a un paquet de régulations qui fait genre de ads, ou qu'on doit dire, on vient faire quoi, etc., online. Et si on a des raisons qu'on va remarquer, par exemple, tout bail qui a rapport avec multilevel, tout bail qui a rapport avec génération de richesse, ok, l'on fait ads sur Facebook, sur Facebook, yo généralement bloqué. D'accord? Donc parce que yon paquet de régulation, que ce soit Facebook, que ce soit Google, ok, gain en plus régulation par rapport avec bagay sa. Ça me recommande, c'est pas aller chercher, pas laisser à chercher client B2C, pas laisser à fond business côté ses clients finalement chercher, essayer aider entrepreneurs qui besoin faire plus quoi. Par exemple, on a dit que ou dit que moi son nèg moins bon dans social media. Ok? Ou dit que ok, si m'bon dans social media, l'autre fait liste, on te dit ok, qui ça que moi aimer faire et que m'bon là-dedans. Ou aimer social media, ou prendre formation sous lit, sous Udemy, ou acheter formation Facebook, nous, hein, par exemple, ok, ou bon dans social media, ou aimer faire le son bail, ou déjà payer des mounes fait là-dedans, ou gagner un sens bon là-dedans, ou gagner feedback client, ou qu'on a bon là-dedans déjà. Ok? Donc, on a dit que qu'on y a, on va pas le dire qu'on y a, on va le chercher client pour dire ok, et venez m'abriger et réseaux sociaux pour m'aider à faire plus quoi. Non. Allez chercher de préférence, entrepreneur qui besoin faire plus quoi et dit yo mais comment lorsque vous même gérer et réseaux sociaux pour yo yo capable faire plus quoi d'accord mais comment capable aider yo 10x 20x 40x business yo si ou même connaît que ou capable faire ça effectivement pour yo comment capable aider yo traduire stratégie marketing yo en traditionnel là en stratégie marketing digital qui va permettre que business yo a plus présence online pour capter plus clients et en même temps tout pour capable retirer gagner dans market share que compétition yo a gagne prendre en main yo. OK donc au lieu que on va essayer à servir client final là essayer servir entrepreneur ça yo qui besoin faire plus qui besoin que business yo fait plus comme d'accord joindre entrepreneur ça en donne je comment on va évoluer dans bagaille ça qu'on connaît qu'au bon là-dedans qu'on remet faire et au bon là-dedans OK ouais comment capable aider entrepreneur yo OK monde qui déjà là-dedans qui veut faire quoi comment capable aider au faire plus comme et target pour ça comme client comme moi chercher d'accord il doit son bagage par exemple que ou bon là-dedans ou aimer mon pas fin toi bon là-dedans bon, bien sûr ou bien pour aller éduquer tout jusqu'à ce que bon là-dedans et l'on fin bon là-dedans laisse qu'on capable commencer pour aider entrepreneur ça qui besoin faire business c'est à dire que par exemple ou aimer dropshipping OK mais ou pas fin bon là-dedans ou pas qu'on fin maîtriser le net OK donc qu'on y a au grand son pour apprendre faire pour jusqu'à ce qu'on maîtriser et finalement ou capable dit tête ou commencer venir avec un service que toi dit tout et ou même qui t'es déjà testé dropshipping ça pas marcher pour vous moins bon système qu'on y a qui marche etc nous qu'à gérer store nous qu'à gérer advertising pour vous OK pour nous aider multiplier business ou par 10 par 20 par 30 par 40 etc OK si son bagage vraiment ou connaît qu'on capable aider customer à fait d'accord donc chercher moun sa yo c'est ça moi recommande dans ni ça pas laisser vendre moun yo bagage tant qu'on dit yo et m'a pas de faire plus comme parce que automatiquement pour régulation qui gagne advertising il y a trigger sous account ou et on capable perdu account advertising ou que sur Facebook que sur Google que sur Pinterest quelle que soit plateforme ou choisir hein, c'est un niche qui gagne en pile régulation là-dedans. OK donc une fois que vous fin choisi dans qui niche produit là d'accord qui niche ça que vous voulez faire ou bien l'idée liste idée produit ça ou bien service ça côté faire on dit OK j'ai 3 à 5 produits ou bien service que m'étais réfléchi que m'étais brainstorm demander nous faire exercice ça OK et c'est une raison que série ça sous pas faire exercice ça me dit avant donc juste make sure sous pas ouais live avant live ça regarder pour première fois et ben regarder live que tu t'es fait avant pour make sure que live ça qu'on a ça n'a parlé là pour comprendre donc exercice là que nous t'ai fait avant dans live avant là nous t'a fini lundi passé hein c'était qui 3 à 6 produits ou bien services que si m'ta venir avec yo yo t'a fait que la vie m'li plus belle donc à partir de là ou capable apprendre ça yo chaque idée ça au côté grand côté brainstorm yo identifier OK dans qui niche pour aller évoluer d'accord et l'autre fois qu'on finit de définir dans qui niche pour aller évoluer qu'on y a il va faire sens on va dire OK qui type de produit ou bien service m'bra le porter ba client là est-ce que dans qui catégorie produit ou bien service que m'bra le servir en custom même là d'accord donc parmi on capable servir customer là de différentes façons on capable bayo information d'accord information donc généralement genre de produit ça et faut qu'on soit parler hein sous vendre information OK faut make sure qu'on maîtrise soit parler de lien ben pas juste à garder un bagage pour pas répéter le temps que j'ai répète d'accord donc c'est maîtriser soit parler hein donc généralement si nous prenons
bagay information rapplo, c'est bagay que nous dit c'est do it yourself. Il entre dans la catégorie do it yourself. Si nous rappelons nous de ça. OK, nous te dit nous que il y a trois types de produits ou capable offrir service, bagay que c'est do it yourself ou bien done for you ou bien do it with you. D'accord? Donc on a dit que vous voulez vendre information. Donc il automatiquement tombe dans la catégorie un genre de produit ou service qu'on capable bailler sous format do it yourself. On l'autre bail qu'on capable vendre, on l'autre type de produit qu'on vendre, c'est service. D'accord, ça c'est au cas de vendre sur les faire sous forme de service. Donc généralement, on a dit ça c'est done for you. Ok, c'est moi qui a fait le pour sous forme de service. Et dernier bagage qu'on capable vendre, au cas juste vendre mon yo bagage physique, produit physique. On est dans l'anglais stuff, ok, ou juste mon abonnement, quel que soit bagage que mon n'a pas acheté qui ont intention commerciale d'elle. Ok, donc e-commerce sont bagages, les entrent dans la catégorie ça. OK, ou voulez vendre un software, ou créer un software, il entre dans catégorie ça, d'accord? Ou voulez vendre par exemple un blanket, il entre dans catégorie ça, ou voulez vendre un produit pour peau, il entre dans catégorie ça, quel que soit type de produit côté que barrel dans son barrel physique mon recevoir en retour pour l'argent que il paye là. Donc c'est ou vendre en barrel physique. Donc c'est trois types catégories de produits que ou même ou capable vendre client. Donc laisse ça ou faire ensemble avec lui. OK? Donc pico barrel pour qu'il dans l'esprit, c'est l'idée validation. OK, donc une fois que ou tu brainstorm à idée que nous te dit, il y a 3 5 idées ça, on te dit OK. Si tu as 3 à 5 bagages, si tu as existé, tu as fait que la vie vienne plus agréable, qu'on a ou qu'on est exactement dans qui niche ou évoluer ou décider sous qui format qu'on va le vendre. Est-ce qu'on va le vendre sous format information, est-ce qu'on va le vendre sous format service ou qu'on est sous différents formats, on peut décider. Mais ou qu'on est sous qui différents formats qu'on va vendre. Est-ce qu'on va le vendre sous format information, est-ce qu'on va le vendre sous format service ou bien est-ce qu'on va le vendre sous format un produit physique que monde est capable gagner dans même. D'accord? Une fois que vous connaissez format ça qu'on y a objectif nous c'est qui s'allier mission nous qu'on y a nous aller dans mission nous OK mission même mission qu'on va gagner donc qui pas une mission impossible mais son mission qui est tout à fait possible nous va bâtir un brand on va bâtir créer brand ou. Nous allons montrer comment pour faire ça dans série ça on va aller commencer bâtir liste client ou. OK c'est tout ça liste c'est important liste client pas bien l'argent c'est dans liste dans que li généralement y est. OK, je vous dis en anglais money is in the list et puis ou pral finalement bâti pas bien que nous besoin trois bagaille nous besoin sales process là. OK, ou pral bâti sales process ou. Sales process ou, OK, ça nous relie en général funnel là. OK, et une fois qu'on a sales ou gain processus là qu'on a ou capable commencer recevoir ça tout monde besoin l'argent. Joindre un client, OK, qui pral commencer ou pral commencer à joindre un client qui pral va payer pour ça offrir parce que yo veut que ça offrir l'offre plus valeur dans marketplace là. Compétiteur. OK, ça guys, c'est en général processus là. C'est processus là. Et l'on comprend processus ça, il fait que quel que soit ce qu'on fait, on capable appliquer le processus ça et il fait que il fait sens pour vous. OK, c'est pas que Abdou fait ceci, fait cela, elle fait ça, elle fait ça. Non, il fait sens par rapport avec on bail que ou connaît que soit que ou gain passion pour lui, on bail que ou gain talent pour lui, on bail que ou aimer faire ou bien son bail que ou juste gain intérêt là-dedans ou décider apprendre plus pour venir bon là-dedans parce qu'on pas sûr qu'on fait bon là-dedans, qu'on y a ou va valider idée, nous va parler de validation en plus, OK? Et nous va montrer qui ça qui nous dit déjà qui ça pour qui fait validation. C'est d'abord assurer que gain tant que compétition gain monde capable acheter et assurer que compétition ça yo pas fin trop bon en marketing et après ça une fois que nous identifier marketing yo nous regarder sales process nexayo est à partir de competitive research pour nous est-ce que nexayo comprendre ça à faire est-ce que bon partie dans sales process yo que nous capable innover là-dedans. OK, qui ça dans sales process yo qui pas marché que nous capable innover là-dedans et une fois que nous fin définir ça nous va chercher connait qui outils que nous besoin et outils généralement que nous va besoin nous aller du social media n'a besoin social media account est-ce que vous dites moi sur Facebook OK map sur Facebook est-ce que vous dites moi sur Instagram forme sur Instagram est-ce que je suis passé temps sur YouTube forme sur YouTube est-ce que je passe temps sur Pinterest ça veut dire forme sur Pinterest faut que mon website faut que mon bâti un email list parce que l'argent c'est dans liste tant que lié liste ça c'est le même qui business ou Facebook pas qui c'est vous Facebook pas capable dans mon Instagram pas capable dans mon WhatsApp pas capable même si Facebook a décidé de faire mes business ou toujours gagner email list ou capable toujours continuer bâtir relation avec client et finalement pour que définir comment on va prendre comme ça dans mes clients qui outils ont besoin qui plateforme on va utiliser pour prendre comme ça dans mes clients en même temps tout qui plateforme ils vont utiliser pour capable bâtir business ou et quel que soit offre ou va le faire la tomber dans une dans trois catégories grand niche ça yo des niches qui généralement indestructibles depuis le monde moderne ont toujours existé même pendant la période guerre ils ont existé. OK, c'est création de richesse, wealth, money, OK, love and relationship, OK, et tout bagage qui a rapport avec santé ou bien beauté. Donc laisse ça ou définir exactement maintenant qui niche m'a évoluer et lorsqu'on est exactement dans qui niche m'a évoluer, il vient faire plus clair, il permet d'articuler
proposition unique de valeur là puis bien by customer là parce que customer là connaît que hey m'a aidé bâti et social media campaign pour capable aider 10x business. C'est ça client ça besoin d'entendre. Il pas besoin d'entendre pour parler de bâti social media campaign pour capable montrer comment pour Facebook fonctionner. He doesn't care about that. OK, il pas care de ça. Entrepreneur ça, sont pas chercher un client, sont pas chercher un customer qui besoin faire quoi. C'est dire langage pour l'utiliser avec là. OK, si c'est déjà son businessman que lié, son qui gagne compagnie lui. Donc ça le besoin pour compagnie, il fait plus comme, il besoin pour compagnie 2x, il besoin pour compagnie 3x, il besoin pour compagnie 5x, il besoin pour compagnie 10x. Donc jargon pour l'utiliser pour parler avec là, les différents de jargon dans l'autre monde que soit vous voulez offrir dans les plus dans le domaine love and relationship ou bien les différents de jargon qu'on peut utiliser avec un monde qui dans le domaine santé ou bien beauté. D'accord? Et soit vous voulez offrir ou il y a trois formats que éventuellement capable décider comment pour offrir. On va offrir sous forme information, on va offrir sous forme en service, information qui doit son e-book, qui doit son livre qu'on écrit, qui doit son formation qu'on mettait online, qui doit c'est pas qu'on ait un mastermind qu'on fait, qui doit son masterclass qu'on lance, qui doit son webinaire qu'on fait, d'accord? Donc et qui doit son format yon service côté qu'on dit monde moins grand agence qui capable faire ça pour ou bien capable juste monde là yon bagage physique tangible que on bagage pendant les dit stuff, OK, qui monde là je recevoir en retour de l'argent ou même que li baou, d'accord? Donc mission nous à partir de tout ça là fin comprendre c'est que nous allons aider à bâtir un brand, ok? Pour bâtir ça, pour bâtir le brand, là, on suppose gagner les clients, ok? Nous allons aider à bâtir sales process pour capable comprendre comment faut nous fonctionner. Et une fois qu'on gagne ça, qu'on est capable de commencer saute dehors, la mettre au corps dehors, on a pour aller chercher client et laisser on définir ok côté on va jouer un client, laisse on va connaître ok côté Facebook entrer, côté Instagram entrer, côté YouTube entrer, côté Pinterest entrer. On va juste faire parce que yo douce yo ka la mode, ou faire parce que ou comprendre comment sales funnel ou lui-même li fonctionner ou comprendre comment sales process sont allés fonctionner, mais c'est pas parce que simplement c'est un bail qui fait à la mode ou bien qui chic, d'accord? Donc une fois que nous comprenons ça guys, à nous partir pour entrer dans phase validation. Est-ce que jusque là tout bagage clair pour nous? OK, me bagage des questions, me juste à pousser guys. OK, Nadim, est-ce que tout bagage clair pour nous jusque là? So, nous allons entrer dans phase validation, mais j'espère que ti kayo là et puis wap prend note. Et nous allons rentrer qu'on a pour nous montrer comment pour valider l'idée. Pourquoi ça m'a fait ça, guys? Parce que n'est pas tout bas et pas nécessairement dropshipping. Ok? Peut-être idée qu'on gagne, c'est un business dropshipping qu'on a supposé faire pour arriver à jouer un client. Et là, ça le fait sens de dire, ok, nous avons besoin de faire mon produit qu'on a identifié comment capable de clients à travers le produit, ça. Qui innovation qu'on a fait sous lui? Nous allons parler avec format, avec supply maintenant pour dire, mais ça m'a besoin de faire en plus dans le produit, ça. Mais comment capable de customer maintenant? Et puis, c'est là, ça qu'on a défini. Mais c'est le process, moi, mais marketing, moi, mais côté compétiteur, mieux, même, mieux faible, mais qu'on comment on va le bac yo beaucoup parce que moi exactement ça m'a fait et puis là mon qui va venir distraire Abdou ah Snapchat fonctionné oh ça fonctionné non ou comprendre sales process ou il fait sens il crée dans tête ou qu'on est soit exécuter un plan qui clair c'est pas mon qui va juste dormir ça marche mais qu'on est plan à exécuter mais comment pour exécuter et si non bagaille pour exécuter bon bagaille pour qu'on finisse bon là-dedans ou besoin maîtriser laisse qu'on est ok besoin formation ça besoin coaching ça besoin mon ça aider qui est mon qui aider qui côté est-ce qu'on a envie et qui pourrait me faire et laisse ça business qu'on a marché sur des lettres parce que plan qu'on gagne les clés dans tête. Si même on pas de clarté, on pas capable de customer la clarté non plus. Et un customer qui pas de clarté, l'a toujours dit non. OK? Donc j'espère que tout bas là jusque là, les clés pour nous guys et puis qu'on y a là en nous rentrer dans processus validation. Ou gagne idée, ou qu'on soit veut faire mais avant rentrer pour faire, il faut qu'on valide. Comment pour valider l'idée? Donc partager live là guys. Et nous prenons les cognats à l'ambar en quelle question. Je vais retourner directement là sous bord là pour nous entrer dans le processus validation. OK? Let's go! OK. Nous allons entrer dans le processus validation. Rappelez-nous encore, nous disons tout à l'heure que pour validation, vous besoin de trois bagages. Vous besoin d'assurer que vous avez trois bagages. Vous besoin, après les validations, OK? Rappelez-nous que pour validation, nous besoin d'assurer que nous avons trois bagages. Number one, OK? Nous assurons que nous gagnons compétition, OK? Vous supposez rien gagner compétition, l'aurait une compétition, that's a good thing, et pas un mauvais bagage lié, OK? C'est pas faut embrasser compétition, faut rien compétition. OK? C'est pas dire OK compétition pas rentrer là. Non, faut regarder, c'est pas dire seulement que compétition pas rentrer là, mais qui ça yo fait dans sales process yo qu'on capable innover sur lui parce que business c'est deux bagages liés, innovation plus marketing. D'accord? Innovation permet ou capable faire plus bien que compétiteur là. Marketing c'est ça qu'on a qui fait que customer, il client idéal ou en vrai, il veut ça ou même ou profil là.
Parce que yon bagay que pi fò moun pa aprann fè nan business, surtout dans e-commerce, ça m'a remarqué, OK, c'est que yon pa konnen comment pou présenter produit en yon façon qui attractif pour client idéal là. Et ça, c'est ça yon le marketing là. Apprendre présenter produit là, yon façon qui vraiment attractif pour client idéal là. Mais sou pa comprendre qui c'est ce process compétiteur là utiliser, qui c'est ce process là peut utiliser, comment on fait, qui innovation on fait, là juste pas fait sens. Quel que soit ce qu'on veut dire dans copywriting là, c'est pas le fait que le client brite sous coup libre les cartes de crédit pour l'acheter dans mon. OK, donc faut qu'on comprenne exactement ça ou à faire. OK, donc premier bagage là, est-ce que compétition, parce que si c'est compétition, ça veut dire que nous connaît que gain demande, d'accord? Gain demande, ça veut dire que gain demande gain existing buyer, gain monde qui a acheté, gain existing buyers. OK, gain demande, gain existing buyers. OK? Et si me gain deux bagages ça, moins que gain demande, OK, gain existing buyers et en même temps tout gain compétition. OK? Donc qui compétition, donc moi connais que moi capable à partir de là dit que moi prêt pour moi valider idée moi, OK, aussi simple que ça, d'accord, aussi simple que ça, d'accord. Donc une fois que ou gagne deux bagages ça, donc ou prêt pour décider pour valider, parce que depuis gagne demande ou gagne tant connait que à partir de là est-ce que gagne monde qui a cherché pour acheter un bagage, parce que si gagne demande c'est parce que yo voulait acheter un bagage. OK, ça c'est première question pour poser tête. Est-ce que gagne demande, est-ce que gagne monde capable acheter un bagage? Est-ce qu'on petite compétition qui a fait advertising qui a vendu qui a essayé vendre mon salon bagaille? Donc une fois qu'on a deux éléments ça yo, donc ou prêt pour même pour capable dire que idéal là est censé valider. Et pas oublier que nous dit que dans toute bagaille yo, OK, une fois qu'on ou comprendre ni donc ou besoin pas toujours besoin qu'on ait qui outils. Donc là une fois nous comprendre ça, nous va apprendre qu'on a qui outils nous besoin pour nous capable valider. OK, qui outils nous besoin pour valider, donc nous va aller là puis bons outils qui existent hein, les gratis chéri, d'accord, les relé moi était quoi en pile nous ca connait déjà les Google Trends. OK. Puis vos outils qui existent là. OK. Gratis si chéri, ou pas gon goût pour payer, il capable ba ou li bon yon paquet information pour juste valider yon idée. D'accord? OK. Donc sur le trends qui sont pas regarder, ou vle garder qui ça qui moun yon ap chercher qui gagne ça relé buyer intent. C'est qui gagne intention commerciale. Gardez notre terme qu'on parle Google parle bah ouais pour OK qui est là dedans qui a intention commerciale derrière, c'est-à-dire que est-ce que qui est là ça donc autant c'est que mon à terme l'utiliser intention c'est que s'il t'a joint un bagage pour t'acheter il t'a pas acheté. Donc aussitôt qu'on joint élément ça ou dans terme qu'on mon utiliser c'est d'un bagage pour t'acheter ou t'a pas acheté, donc à partir de là OK donc on connaît que idée ça des potentiellement sont donc capable explorer OK dans niche qu'on a tout dans différents bagages côté listé pas bien nous commencer d'abord avec tout bagage côté listé on dit 3 5 bagages que si tu as existé tu as fait que vieux puis etc donc on a on va commencer garder pour valider idée pour entrer pour valider pour si niche là gagner demande et gagner existing buyers d'accord et gagner compétition tout cap essayer capter attention acheteur ça yo et à partir de là pour exactement qui ça moun ça veut acheter parce que pour qu'on y a nous pour qu'on est ou besoin qu'on est exactement OK qui ça yo veut vraiment. OK, donc on a dit que par exemple m'intéresser avec un bagage qui relé ménopause. OK, on prend exemple ça pour ménopause. OK, on prend exemple ça et bien m'aller là on chercher m'pas connait là-dedans, m'pas expert là-dedans, m'pas docteur, m'pas obstétricien, m'pas connait là-dedans. OK, OK, on commence à chercher, on vient là m'entre ménopause sur Google Trends. OK, là me vini moi là me dit oh ça pas être vraiment nice. OK, la trade là up trade en la ligne 75 ans là et ou besoin regarder dernier 5 ans pour make sure est-ce que c'est bon bagaille qui gagne quelque saisonnalité là dedans, est-ce que c'est bon bagaille qui est saisonnier. OK, pour make sure que tout bagaille même yo clair là, d'accord. Donc vini là nous regarder nous c'est OK nice. OK, nous on les font ti descendre là au niveau de qui moi on pas connaître qui moi là. OK, après moi décembre, ils font ti descendre. OK, là ils font belle ti descendre là en mars année passée. OK, mais ils remontent encore, ils viennent kembe et kembe statut et initial li, parce que presque li toujours constant. Donc ça son gon niche, d'accord? C'est yon gon niche. On a dit que on va constater t'es intéressant. OK, et puis ou dit, OK moi là moi son gon niche. Quand y a l'envie là ou descend en bas là et pour commencer à regarder pour OK qui terme moun sa yo est nécessairement y a chercher qui capable gagner éventuellement intention commerciale là dedans. Google bo 25. OK, Google bo 25. OK, on va commencer là pour menopause ICD-10. On pas contre ça est. OK, ICD-10 code for menopause, on pas contre ça lié non plus. On regarde si on va jeune bagage qui fait plus sens pour moi. OK, sign of menopause at 50.
menopause symptom at age 47. OK, moi j'ai mon cap chercher information sur symptômes, d'accord? Très probablement que capable avec un ebook pour yo sur symptômes menopause à l'âge de 47 ans et comment pour yo et comment pour yo capable et contrecarrer les comment etc. Signe de menopause à l'âge de 50 ans, me dira peut-être écrire un article blog sur lui ou bien écrire un ebook sur lui ou bien écrire un rapport sur lui pour me dire mais ça étude montré et mais ça mais comment on même capable faire ou capable faire face ensemble avec lui pour mes clients là. OK? Best vitamins for menopause. OK, ça intéressant. Moi j'ai moi qui chercher vitamines pour menopause, d'accord? Donc m'bral doit aller éventuellement, m'prend terme ça, me dit OK, si mon a cherché vitamine, il mettait mon best, c'est-à-dire il chercher plus bon vitamine pour menopause, ça, il gagne un petit crasse intention commerciale d'elle. OK? Il gagne un petit crasse intention commerciale d'elle. Donc ça doit son terme que m'capable capable utiliser, m'regarder pour me joindre l'autre bagaille, si m'capable joindre l'autre bagaille qui a rapport avec. Donc regardez can menopause cause depression? Ça c'est un monde qui a posé cette question encore, donc a vendre information, OK? Moi que hot flashes at night, gagne mon qui cherche hot flashes at night, ça veut dire peut-être gagne mon qui pas fin comprendre l'elle gagne bail ça veut dire donc nous capable peut-être balier information sur ça et même temps tout vanne des bail qui capable aider éviter genre de bail. C'est son bail qui nuit que la hot flashes at night. Est-ce que nous capable éventuellement jouer un bagage qui capable aider résoudre problème ça? OK? Est-ce que nous capable vendre essential oils qui résout problème ça? Est-ce que nous capable vendre on pas connait on sait de exercice. Est-ce que nous capable vendre un diet qui aider résoudre problème ça? Pour mes diet que capable faire, nous vendre un livre qui vendre qui capable éventuellement et montrer les différents types d'aide que le capable faire pour les résoudre genre de problèmes ça. Tout ça c'est investigation qu'on va le faire, tout ça c'est observer et c'est recherche qu'on va faire pour comprendre plus bien. Et bien ça me dit hein examen là essential oils for menopause, OK? Donc moi que oh, on capable aller, on capable chercher pour moi est-ce que l'autre monde capable vendre essential oils for menopause, OK? Me te gagne idée, me dit OK, là me commence à regarder pour moi OK, qui ça potentiellement que customer moi est capable nécessairement à acheter et que l'a cherché que le montrer que le intention commerciale. Moi supplément tourner là encore. Best menopause supplement. Nous avons vitamine, nous avons supplément. Donc on va aller là directement sur Google, d'accord? OK, m'bra regarder est-ce que existing buyers, si existing buyers, m'ki supposé ouais que nèg k'ap fait advertising sur Google pour li. Depuis nèg yo k'ap dépenser advertising dollars, si y'ap dépenser dollars dans publicité pour li, yo pas fou, yo pas enragé, c'est parce que yo connaît qu'il y a customer qui voulait acheter. Donc ça c'est plus bon façon pour juste valider idem là pour me dire OK, that's good, sous bon route là, qu'on y a juste besoin pour rentrer dans seconde phase là que nous connaît déjà qui c'est competitive analysis là, côté que m'bra étudier compétition là. Pour moi capable de définir pour moi qui ça gagne pour me faire competitive research là pour capable comprendre ces process yo qui problème yo gagne qui bagaille qui pas marcher là-dedans et qui improvement qui innovation qui amélioration que moi même capable faire là-dedans sorte que moi capable gagner un competitive advantage sur yo même. Donc moi aller là moi faire comme si moi chercher États-Unis moi les plateformes avec les ISO from OK et nous aller fait comme si n'a cherché États-Unis parce que là moi Bolivie guys IP moi pas directement dirigé sur États-Unis moi pas utiliser VPN OK donc pas utiliser un VPN donc m'a mettre là United States OK donc I search from Edem fait ça pour me faire comme si m'a cherché comme si c'est recherche dans États-Unis d'affaire d'accord m'a mettre là United States come on là ça pas de problème OK mettre là l'anglais mettre English OK et puis m'va mettre best menopause supplements. OK, et bien fait search. OK, et automatiquement, on est en ouais. Wow, gagne là qui gagne un ad là, sa publicité à vendre. Donc ça et m'a regardé là automatiquement, mon keywords everywhere, OK, qui sont extensions qu'on va utiliser sur Chrome, qui montre un trend là comment il a monté de 2010 à aujourd'hui là, à qui nous a cherché chez genre de information ça ou bien je mon terme ça à qui pour commencer vienne populaire plus populaire avec le temps c'est nous capable venir regarder 30 derniers jours yo on capable regarder 3 derniers mois yo OK on capable regarder en fonction pour exactement comment tu es là OK on capable regarder dans 3 derniers mois on a qui peut nous chercher le plus OK donc on capable waouh OK il commence à en pile monde qui a cherché terme ça surtout on regarder la all time pour nous voir des niches en global de toute période là OK nous capable comment il prend là un uptrend OK il monter là littéralement et c'est monter que la monter et là nous venir nous automatiquement gagne la capable advertise pour y a advertisement de produit ça yo OK nous ça bal, nous Rejuvica Health OK nous Natural nous New Chapter OK donc ça seulement que nous commencer faire nous commencer nous que jeune que advertisement gain compétiteur donc ça veut dire que moins gain monde qui gain potential buyers qui va acheter produit ça tout potentiellement donc on y a commencer
fè sa rele competitive analysis mwen, mwen pral antre nan sa rele competitive research nan, pou mwen kapab konprann koman sales process competitive nan ye, ki tout ki gen la dan, ki kote nèg yo mal fè travay yo, e ki kote mwen kapab pote innovation sou li. Donc, prochaine phase nan, une fois que mwen fin fè sa, la, kon yan m passe première phase validation, m check il, ok, m di ok, check, m check validation, kon yan m pral antre nan prochaine phase nan, ki se competitive research. Competitive, sorry, kom, sorry, competitive research. OK? Donc ça, c'est deuxième phase ça que on va entrer là-dedans là, OK? Et nous va montrer exactement comment vous faites. Il pas grand de compliqué là-dedans, c'est juste et galon mot sur papier pour capable prendre note exactement donc, qui sont vous-même observer sous audience ou qui ça ou observer dans compétition là, pardon. Donc, OK? Vous capable faire là avec Google Docs, OK? Si vous voulez faire directement sous Google pour capable note ça en bas mais sur quelque soit côté ou pour capable continuer faire competitive research ou par exemple sur tes campagnes en route, OK? Donc ça, son bail qui très simple ou même on va prendre note de ça que vous-même ouais. D'accord, là juste aller là, on dit que m'bral ouvrir en Google Doc, on dit m'bral là Docs Google. OK, et m'bral juste prendre note de qui ça même moins observer. Premier monde que m'bral identifier là, d'accord? Donc m'bral chercher moi que c'est moi supplément, ça c'est ça que moi même dit que m'd'avait parce que m'capable porter et pour capable essayer vendre. Donc m'bral faire étudier compétition pour moi. À qui connaît bon, est-ce que comme ça faire et bien est-ce que m'capable joindre en partie dans audience ça même capable capter attention. Donc m'bral ouvrir l'autre document. OK. OK, et nous allons commencer à prendre note de ça que nous-mêmes nous observer. OK. Excusez-moi si ordinateur un petit genre là. So, premier bail que nous prenons note de là, nous allons prendre note de que nous dans ménopause. Ménopause. OK, et surtout ça n'a cherché c'est ménopause supplément. OK. Excusez-moi si mal écrit. OK. Nice. OK. Sous Google, je connais exactement quelle quantité de recherche que le gain par mois, même moi, que ça a son bar qui est définitivement gain en plus de recherche par mois. Qui veut dire que vous êtes supposé bon moi même bagain plan qui paye là mais sauter avec sous Chrome ou drap avec keyword surfer et extension Chrome qui est le keyword surfer ouais exactement le terme bon idée de volume de recherche sous boucler ça. OK. Nous allons commencer avec première là que nous voilà qui c'est menopause report. OK, nous avons menopause supplement review. OK, donc ça sont bon bagage là ouais, par exemple là on est comme ça qui là. OK, on a les sur site ça. OK, menopause review hein. Généralement c'est les nègres qui ça yo fait. OK, moi les sur pas ça sont bon bagage pour capable là genre de site ça yo, c'est un bon sens pour valider que gagne comme dans niche là, c'est un bon bagage façon pour valider que gagne nèg ka fait comme là. OK, parce que genre de nèg ça yo, OK, là yo fait genre de article ça yo nèg là pour l'on add son mot-clé qui est très probablement très compétitif sur Google et qui va aller vraiment en pile recherche par mois. Moi, t'es quoi ça? OK? C'est très probablement un mot-clé qui est vraiment compétitif. OK? Éventuellement, côté coup par clic, là, il est vraiment haut. Et en même temps, tout gagne en pile recherche sur mot-clé ça. Et ouais, que next, ça la poule là, c'est généralement, son sept articles, qu'on page même longueur, côté que il fait un rapport sur différents types de suppléments. Il dit, mais ça me passe sur yo. Et très probablement, chaque coup même vous cliquez sur quel que soit ça, même le recommandé yo, il va le diriger, OK? Vers yon. OK, il va diriger vers un produit qu'on a supposé acheter. Et puis voilà. OK, mais ça me dit nous, OK, fermetriol, new formula et plus pour que la buy now et puis automatiquement là cliquer pour l'acheter, ou tu as supposé next ça les même il va gagner ça ou les affiliate commission. OK? Donc si ou est que l'obgade des gens de niche ça ou est que gagne qu'a fait off affiliation, qui n'est qu'a essayer faire l'argent avec affiliation. Donc si next ça ca rouler advertising, c'est parce que très probablement il gagne une bonne commission sur produit ça et ça va aller suffisamment cob, il est capable gagner suffisamment cob qui dans poche lui pour continuer pour la rouler advertising sur Google pour des termes qui vraiment vraiment super compétitif. Et ça c'est preuve là que nous montre très clairement que définitivement OK ou passer période phase validation que there's money to be made. OK, gain l'argent pour faire là et même capable venir prendre petit mot support dans gâteau en tout parce que nèg là c'est pas toute bagarre nécessairement, il nécessairement fait bien. D'accord? Donc nous pas juste vous montrer nous ça. OK, on va aller là. On va aller sur l'autre là. OK, bon gars c'est là. Moi Better Body Co. OK, on va aller sur next ça. OK, Better Body Co. A Better Body, OK. Excusez-moi, c'est notre antigène là. OK, donc nous avons Better Body Co. Donc ça, moi, me fait, c'est prendre le site là, que nous avons analysé. Hein. On va le noter là. Number one, un competitive analysis. Better Body Co.
OK? Ça moi nek ça vous fait. Yo voyez moi, advertiser nan voyez moi son page. OK? Sur best seller, OK? Par exemple, vous me directement sur page best seller qui gagne tout supplément que nous avons un bon prix là, OK? Il y a reviews, c'est que reviews c'est que gagne bailleur, que mon gars acheter. D'accord? OK, debout il y a reviews là, regardez ça, 772 reviews. Donc c'est preuve que gagne mon gars acheter. D'accord? Donc nèg yo voyez nous son page côté qui gagne directement tout best seller, OK? Donc n'allez sur best seller page. D'accord? Donc ça allait même, là nous cliquer Adlan, on a juste fait une flèche comme ça, il voit nous sur pas là. OK? Ou juste prendre notre de page là. Il dit page click ID. OK? Moi je fais juste prendre page là comme ça et vous qu'embé là pour juste capable retourner sous lui après si généralement si vraiment où tu as besoin. Donc ça c'est sur page ça va aller. OK? Donc page ça les montrer best sellers. OK? Add. Click add take you to best seller page. OK? On prend note de ça. OK? Nice. Et puis, on regarde que l'autre bain ça a gagné encore, éventuellement, que l'on a fait bien. OK? On va essayer sur les réseaux sociaux. OK? Il y a une review, page, tout ça, c'est bail. Non, tout cas, fait. Website, non, c'est pas en vrai, ça sont extensions Shopify liées. Il semble que c'est sur Shopify ou Festo là. Donc, ça a été bon. Il y a un montre qui outils compétiteurs là utilisé. OK? Donc, on regarde ça, ouais, OK? Il est sur Facebook. OK? Donc, nous juste venir là, nous cliquer sur lui. Ça veut dire que nous voyons plus level social media, ou plus level social media, ou ouais, qu'il y a fait advertising sur Google. Est-ce qu'il y a fait advertising sur Facebook tout? Nous voyons assurer-nous de ça, pour nous comprendre exactement ce qu'on a lu à comment lire. OK? Donc, là, on a regardé ce qu'on a lu, on a regardé ce que tu dis. Regardez, OK, guys. D'accord? Il va juste regarder qui pas jouer, donc, on a besoin de retourner là. Ouais, best. OK? Parce que tout ça, c'est comprendre forme de produit en panier. OK? Donc, nous faisons shop now. Nous t'as pensé que tu as supposé diriger nous directement sur un panier automatiquement, mais vous voyez nous sur page produit qui c'est un peu de temps. OK? À son bail que je vais identifier là, pour ça, n'est pas juste vous directement sur produit parce que moi, ça me besoin. Nécessairement, peut-être que vous avez ça me besoin. Donc, pour ça, pour ça n'est pas juste pour mettre le produit directement dans un panier et puis juste aller dans un panier et puis me faire check-out là. OK? Donc, je vais dire que click add. Écrit comme ça, on va dire peut-être ou bien ad ou bien publicité. Hein? Et vous juste faire écrit comme ça. Vous faites aucune. Wow. Ou bien ad là. Livre sur best seller page. Vous cliquez sur produit et puis vous sur product page. Ok, ça sans perdre de temps. Vous êtes capable justement. Vous dites à tout. Why not take the customer to the cart. Pour ça, on va juste voir le client sur panier. Ou prenez note, pour nous regarder, pour ça, on va juste voir le client sur panier, pour capable d'améliorer l'expérience utilisateur client. Ok, parce que le temps qu'on a besoin, c'est juste cliquer bouton shop now, là, c'est parce que le besoin shopping now, qu'on y a. D'accord? Donc, vous venez là où est page là encore, on a choisi, il y a un save, ok, ça va vraiment intéressant, ça va permettre que tu puisses continuer à faire du business et ouais, automatiquement mettre par défaut pour là, qu'on fait subscriber save, on a dit qu'on va faire one time purchase, ok, on a choisi l'option que le gain, tout ça, c'est détail, bundle, etc., tout bundle, etc., ok, bon, là nous fait add to cart encore, qui va être nécessaire, si me fait shop now, ça veut dire que tu as besoin d'acheter, et bien que là, vous pouvez retourner faire add to cart encore, tout bas, ça c'est observer, et vous comprendre, pour comprendre exactement ce process, compétiteur là. Et bien, on a fait check-out. OK? Donc, et tu vas finir de passer ça. Donc, nous faisons add to cart, check-out. Et puis, là, OK. Donc, nous faisons add to cart là. Nous faisons check-out là. C'est pour cette sans besoin dans ce process là. Nous voyons que, monsieur Gagnon, on upsell. OK? Popular with Slim God. Il y a mon produit qui est populaire. Okay? En pile fois, mon achat avec produit ça. Et là, il y a moyen, il dit comme ça que, il met ton time là pour dire que la fin, pour mettre ton petit casse urgency. Là, vous comprenez ça. OK? Donc, moi, de ça, moi, upsell. OK? Upsell. Nice. OK? Marie, t'as défini quand à qui tu m'as utilisé pour faire upsell là, mais moi, que compétiteur là, il y a un upsell. OK? Nice. OK? Nous avons besoin de ça. OK? Nous avons besoin d'upsell là. Nous avons juste besoin de regarder que ça me soit fait.
et puis la redirige là sur page pour me capable faire acheter produit etc. Donc nous avec monsieur gain processus lien niveau de advertising qui était sur Google là, OK, nous arrivons directement dans page et dans page et dans page et produit best seller là, dans best seller nous créer shop now dans souhaiter que déjà le dévoue directement dans page panier pour me faire check out et ça m'd'a prend une étape en moins côté client est capable finir ce process en plus rapide. Donc il n'est pas nécessaire pour le voir mon là, il va directement voir le sous page checkout là et mon étape toujours upsell là sous page checkout là, surtout s'il utilise Zipify. OK, s'il utilise one click upsell Zipify là, OK, c'est même bail moi c'est application ça monsieur utilise tout. Donc et bâton chocolat et monsieur qui pour checkout là, c'est PayPal, est-ce qu'il a accepté le bail, c'était l'autre bail, ça ne pas accepté. Il PayPal et moi quoi que monsieur accepté comme c'est Shopify, très probablement l'accepter cap tout avec Shopify payment. Donc ça c'est toute barre ça qu'on connaît. OK, qui ça va utiliser pour mon paiement qui qui vient déjà avec Shopify, donc nous avons besoin de prendre note de ça. OK, donc aussi simple que ça, quand on va regarder, OK, comment advertising lié, OK, comment advertising lié sur Facebook. OK, est-ce que vous avez suivi sur Facebook? OK, nous venons là, nous regardons, nous voyons, OK, 71 000 personnes suivent page là. OK, dernière fois, vous avez fait post, nous avons page là actif, et ça fait 12 heures que vous avez fait post. OK, qui type de post vous faites? OK, qui ça vous dit, audience là? Nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait ça plus en profondeur, OK, dans le prochain live là, pour comprendre exactement comment on peut préparer, créer content programme. Parce que on va juste gagner une page sur social media pour juste une page sur social media. OK, vous avez besoin de comprendre exactement, OK, qui ça qui va le content stratégie hein, pour qu'on toujours qu'on en contact avec relation parce que utiliser social media c'est en sorte qu'on capable tout le temps devant le customer là pas rester as the top of mind. OK, je nous dire pour qu'on rester top of mind ça pour lui. OK, côté nous besoin aller pour nous même pour comprendre ce process monsieur hein, c'est aller là dans page transparency nous va faire see all. OK, et nous va aller directement dans descendre en bas là pour nous est-ce que monsieur actuellement a roulé ads. L'idée là, this page is currently running ads, c'est-à-dire que monsieur a fait publicité actuellement là. Ou est-ce qu'il utilise différents VA, monde qui Singapour, les 23, Cambodge, Philippines. Donc très probablement son paquet de VA qui travaille pour lui. Donc ou aller là ou aller dans ad library. OK, et là on entre dans ad library hein, ça nous besoin comprendre, nous besoin comprendre OK sales process là, pas bien, c'est ça qui est objectif, nous comprendre et puis prendre notre deli ou qui kiffe tout qui est là-dedans, comment même capable de faire, est-ce que c'est un bad marketing. OK, premier bail là, mais même pour moi même personnellement moi trouver à partir de ça que moi là jusqu'à présent sur pas ça ou même capable dire OK now you're getting relatively bad marketing. OK, Airbnb c'est relatively bad marketing. OK, marketing négio pour moi même jusqu'à présent le pour confirmer notre point. OK, on regarde si Google Facebook a aidé nous confirmer ça dans ad library. OK, so après que y a pour les ads page là depuis 2017. OK, donc mettez là mettez page seulement pour Bolivie. Donc après on fait advertising worldwide parce que y a target moi la même Bolivie, mettez all. OK, nice. OK, il y a 300 combien ads qui a roulé là. OK, ça veut dire que il y a l'argent pour faire, guys. OK, on regarde pour nous. Yes, OK, mettre quel type de ads you fait. The big reason why John Earth doing menopause. OK, menopause, hormonal belly. Je parlais de tout ça. Donc, nous avons regardé quelques différents types de ads. On voit que, dépendamment de call to action que nous avons utilisé, on voit que différents types de barrières que nous utilisé. Par exemple, là, on veut mon directement acheter son produit. OK, et acheter ton produit. Et très probablement, probablement, c'est peut-être un bagage que je suis sur target maintenant. OK, on regarde pour nous comment lier. OK, là tout shop now, shop now, shop now. Je vais mon directement sur page. Un produit pour l'acheter. OK, et là nous pour que utiliser learn more. OK, si vous avez dit learn more là, donc très probablement vous voyez maintenant, vous utilisez ça relais intent based branding. Intent based branding là, vous voyez maintenant son contenu, son piece of content, vous voyez son article, on bagage comme ça, côté que vous mettez un paquet de valeur là-dedans et puis maintenant éventuellement elle finit, il va éventuellement décider intentionnellement pour l'acheter, mais ça fait beau télé c'est qu'on capable de target maintenant avec ads qui automatiquement parler de ça que les sont déjà vous êtes capable de dire OK c'est le moment pour passer à l'action voilà mais ça vous gain pour faire. OK, donc c'est là nous capable cliquer sur ça nous voir exactement qui côté ads ça mène nous. Donc l'idée c'est toujours ça prendre temps garder pour qui côté ads amène nous pour voir qui différentes parties vous gain dans sales process. Il y a ads qui vont directement vers page produit, est-ce que ads ça utilise comme si pour juste faire retargeting ou bien est-ce que ça c'est simplement pour capable de diriger les vers un cold audience pour capable est-ce que c'est monde qui t'a visité déjà qui veut ads ça ou bien monde qui peut que jamais connaît du tout qui est type de ad ça. OK, c'est ça relé un cold audience, d'accord. Donc là nous cliquons sur ad là mais quand elle voyez yo d'après que vous directement sur page côté yo le article là vous voyez mon dans son quiz. OK, ça vraiment intéressant, d'accord. Ouais, là vous voyez mon dans son quiz, dépend c'est son article son quiz, which hormones are you deficient in. Donc vous voyez mon dans son quiz pour capable connaître qui hormone que bagain dans col. Donc c'est probablement son question qu'elle pose. Donc, add to quiz, add,
et puis Adsa les mon fin well. OK, il voyait sur un quiz, d'accord? Donc on pas obligé dit on pas obligé docteur, moi mais est-ce que m'ka faire quiz ça? Non, m'ka pas juste prendre quiz nèg yo et puis juste copier le popopo, là m'dit copier pour voir, ça veut dire on va le plagier, faut changer l'anticrasse et puis chercher mon capable d'eau pour capable comprendre exactement est-ce que quiz ça il parfait, est-ce que pas gars pour capable améliorer là-dedans, est-ce que pas gars question pour capable poser pour innover là-dedans, pour capable aider client lui-même fini par comprendre exactement projet qui bon pour lui, d'accord? Donc pour capable prendre quiz ça pour comprendre plus bien, d'accord? Donc n'a pas que c'est pour bail pour juste décider comme ça. Donc, pour mettre temps là-dedans, pour mettre effort là-dedans, pour comprendre exactement comment c'est le process compétiteur dans différents compétiteurs, faire ça pour toi ou bien 5 dans le compétiteur, pour comprendre ce process là, pour exactement qui nous faut, qui gagne, qui problème, qui côté que ce process là mal fonctionner et comment capable innover, améliorer sous lui, en sorte que ça capable baou yon competitive advantage. Ok, même bah là tout, on regarde est-ce que c'est même côté mené, mais notre boss was not kind to me, shop now. Je ne comprends pas ça. Le premier bail que je remarque, c'est que ça a fait tout. Ok, même ça me commande nous. Guys, ok, ça me commande nous. Quand je me déclique, c'est sous ça là. Ok. Quand je me déclique encore, je pense que c'est sur une dans ça. Je pense que c'est là que je me déclique. Je me clique encore pour moi, c'est celui. Regardez si vous voyez nos pages quiz là. Vous me dites quoi c'est ça? Menopause personality. C'est même là que nous. Et là, menopause personality. Ok, good. Ok, vous voyez sur page quiz là. Donc ça vous fait, ok? Pour basculer là, vous fait capture. Ok? Vous allez capturer ça là. Ok? Vous capturez Adzan. Ok? Boom. Et vous mettez directement en. Ok, vous mettez là. On va faire ça. Bah là, bon problème là, guys. Ok, donc vous faites, vous capturez les et puis mettez le document pour qu'il rappelle qui sortez, ouais, ok, qui côté le même customer, ok, à partir de là, pour qu'il exactement comprendre, ok, comprendre plus bien comment c'est ce processus et en même temps tout, ou tout gain copie en qui l'a tout, qui pourrait d'eau, lorsque vous voulez faire même gens avec customer pour exactement comment capable améliorer sous les, d'accord, ou juste prendre note de ça, et on fait sentir grâce plus petit. Ok, nous avons besoin de gros comme ça. Ok, add to quiz. Ok. Voilà, et bien, nous mettez lien quiz là. Directement pour nous avoir tout gain accès ensemble avec lui. Tout bas, vous mettez l'accès ensemble avec lui. Ça, vous vraiment attirer l'attention. Vous sentez vous capable d'utiliser tout dans ce processus. Et puis, bâton. Mais. Vous comprenez bien comment c'est ce processus customer là. Ok, les gens finissent à ça. Ah, mais on va le finir par ouais. Ok, on va le sur Facebook, on va le. Est-ce que n'importe qui target moi? On va le suivre ça. On peut qu'on finit parce que on vient sur page ça et très probablement on connaît que des pixels y a sur yo. Bien sûr, il y a des pixels y a sur yo. Donc on va make sure est-ce que l'autre est sur Facebook? Est-ce que n'importe qui target ou à qui ads y a target ou? Là ouais, ads ça, on fait capture là et pour mettre le directement ou save le tout, automatiquement mettre le sous document là pour ouais à qui ads y a même target ou? Ok, parce que là, y a une différence de ads où on connaît exactement à qui ads y a target ou et à partir de là on capable exactement à qui ads que customer là et compétiteur là même target client. Est-ce qu'on pense que vous faites bon travail dans le retargeting? Est-ce qu'on pense qu'on va faire amélioration au niveau de retargeting? Est-ce qu'on pense que vous faites bon travail au niveau de l'image utilisée dans l'audio? Ok. Et depuis qu'il est Asda, nous avons que ça est là depuis 21 janvier. C'est vraiment très probablement vous faites réactualiser et campagne que vous avez oublié. Ok, ça fait nous que date pas être très très récent comme ça. Mais si vous avez oublié tout ads, ok, plus que 300 types de ads, 300 ads différents. Donc c'est parce que vous avez que certainement a fait qui bon. D'accord. Donc voilà, guys. Ça, c'est comme ça que vous faites exercice. Donc, pas qu'elle nous est capable de faire. Mais nous n'avons pas assez de temps. Nous, live, c'est une autre temps seulement que nous avons ok. Donc, j'espère que vous comprenez l'exercice là et vous faites un bagage là pour l'autre page, ok, qu'on a besoin de l'autre compétiteur, par exemple, Menopause Wells Net Health, ok. Et vous savez, si vous avez juste ok, pour qui page que Facebook lui-même nous recommande, que y a même tous ces compétiteurs qu'on capable éventuellement et à mettre une analyse ou considérer par exemple la menopause tease, la menopause tease, ça gagne 5000 likes, nous gagne Australian Menopause Center, ok, qui gagne 13000 likes, tous ces potentiels customers, tous ces potentiels ces compétiteurs, mais pour essayer là, nous voyons que là, il y a l'argent, donc pratiquement, à partir de là, nous avons dit, nous, ok, nous sommes capables de commencer à bâtir une website, ok, définitivement, est-ce que nous avons utilisé des quiz là?
Et si on a fait un plus bon landing page, ok, pour nous éventuellement capter customer et pour nous capter attention customer et permettre que nous passer à l'action beaucoup plus rapidement. Définitivement, premier barrage que nous avons corrigé, ça m'a fait voir mon nom sous page, et à partir de Google, je m'a fait voir sous page best-seller, et puis après ça m'a fait mon nom, mais pour tout cas encore. Aussi, donc, mon nom a créé bouton shop dans là, automatiquement, je dirige le panier pour nous fermer, pour nous passer à commande lien le plus rapidement que possible. Ça, c'est la première amélioration que nous avons fait. Et éventuellement, ouais, qui l'autre barrage que nous avons fait améliorer, par exemple, moi là, il y a un autre bail là qui dit, il y a mon produit, il dit, regardez, qui est le voyant, est-ce que page là, son page qui est bien optimisée, est-ce qu'il y a amélioration qu'on doit faire autour de lui-même, ok, et à partir de là, on est capable de voir exactement comment on est capable d'innover au niveau de sales process et battre compétiteur là dans le propre game pal, ok, là nous, c'est le number one, mais possible même to manage, blablabla. Imaginez pas vraiment, c'est pas vraiment bagarre, moi, keep me local system down, enjoy, blablabla, il y a un team à ça, définitivement, on est capable de faire plus bon landing page que ça, top 5 benefits of Provitalize, ok, ils font landing page pour essayer de capter attention customer sur bénéfice produit, hein. Ça qui est pas mal, qui est vraiment intéressant parce que je prends le temps pour aller dans les détails sur le bénéfice produit et vous montrer, ok, image ça montre la différence entre ça et puis probiotique qui gagne, ok, you keep menopause symptoms away with these 9 active ingredients, ok, vous parlez de ingrédients qui sont dans le produit, ok, blablabla, ok, nous regardons blablabla, il y a des supplements facts, etc. Ok, et puis il montre bien sûr customer qui est dans l'âge groupe monde que il y a le target là, ok, maintenant dans l'âge groupe monde que il y a le target là, le visage monde, ça c'est pas jeune monde, c'est pas modèle, c'est monde qui est dans l'âge groupe monde, qui est dans le groupe d'âge là, et puis il y a montré que il y a des monde customer qui a parlé de produit là, ça qui est vraiment bien fait, ok, cependant ça que nous pas ouais là, ok, que nous pas ouais, il y a un côté pour nous travailler fait. At the car, okay, let's try Provitalize now, okay. Donc, si vous cliquez ça, okay, automatiquement, le voyez sous une page côté que vous avez 3 off, okay. C'est très intéressant, côté que à partir de là, vous êtes capable de prendre plus l'argent dans la poche customer, okay. Donc, vous avez step 1, step 2, step 3. Donc, vous êtes capable de prendre off ça, one time purchase, vous êtes capable de subscribe. Et là, vous êtes subscribe, of course, vous mettez subscribe là en bleu, parce que là, vous êtes subscribe chaque mois, vous connaissez que vous avez customer ça, éventuellement, pour une long period of time, okay. Vous avez customer ça pour un bon petit temps, et ça a augmenté, a aidé à augmenter lifetime. Time value customer, parce que vous avez capable de customer plus temps dans sales funnel, ok, parce que customer les souscrit pour recevoir produit beaucoup plus. Si vous allez dans tout détail, ça vous font landing page pour faire produit ça, donc c'est définitivement c'est parce que c'est un produit qui a marché pour vous, et moi vraiment remet sales process ça pour petit produit ça, donc si même moi d'abord fait petit produit ça, même j'ai ensemble avec une belle vente genre de petit produit ça, donc définitivement moi d'abord défini design un sales process qui semblait exactement à ça que vous faites, sans que moi-même moi pas obligé réinventer la roue là-dedans. OK, mais j'espère que nous comprenons le processus là guys, et c'est ça que moi m'invite au fait comme exercice, OK, pour pas une fois qu'on fait valider automatiquement commencer à rentrer dans phase et compétitive dans compétitive analysis souvent, OK, compétitive research là, ouais, exactement comment ou même ou capable et battre customer là, comment on capable de tirer épingle du jeu, d'accord, gain comme pour fait gain que bagarre qu'on capable améliorer, une fois qu'on capable identifier deux bagarres ça définitivement there's business for you, OK, que côté vous capable faire comme, donc c'est juste passer à l'action. Mais espérez ou pouvez aller exécuter sous exercice ça, nous fini à temps, une heure de temps, 12 minutes, nous pas dire plus que ça. Si bagarre question, c'est n'a quitter nous tout. Moi que Taylor Rival dit important pour nous mettre système mon cash sur plateforme, je arriver hein, pour plus haïtien capable bien accès avec couyo. Nous à penser à ça, merci pour conseil là et Taylor. Attends, est-ce que les gars, il y a des gens qui ont cherché des produits pour me tester. Ou qu'on aller sur Marketify, nous-mêmes nous faire recherche pour nous, on produit chaque jour, ok. Mais si Marketify pas intéressé, eh bien, ou capable toujours aller dans formation nous en guerrier, qui c'est formation dropshipping nous, ou qu'on aller là-dedans, ok. Et les gens qui dans formation nous, ils ont 10, 40, 50% sur Marketify. À vie, d'accord, donc on va juste chercher Marketify en de page et jouer arrivé hein? Et là-dedans nous faisons recommandation produit une fois par jour nous baillons produit pour nous tester, donc 30 produits par mois, donc et ces produits que nous mêmes que nous choisissons manuellement pour vous avec à partir de tout critère rigueur, même rigueur nous utiliser pour nous faire ça, n'a fait là c'est même rigueur ça nous même utiliser tout pour nous faire pour nous aider pour nous capable de faire recommandation produit ça, ok. Simon Evans dit on dit, n'a pas de problème là, guys. Excusez-moi. Je ne sais pas si passé. C'est moi qui vais dire chapeau bas. Merci, brother. Je m'apprécie ça en pile. Ça vaut un million. Je m'apprécie ça, nèg. Yeah, je m'apprécie ça en pile.
Ok, je regarde mon, je connais bien mon en bas là, là, qui a chanté qui coto te y dat ça, et puis là il sentit bon, là là, cap, et puis là il sentit bon bague plus mon bague, ben ça y est, bien chaud. Ah, merci, merci brother, merci en pile, merci en pile. Ok, ok, bague estimé, si un monde t'a dit la vendre un produit comme ça, qui j'en ka joindre gens j'en produit comme ça parce que m'pa quoi sur l'express. Non, on va pas le chercher sur l'express, c'est définitif. OK? On sait tu cherche qu'on fait. Juste aller sur Google, chercher et supplément white label. White label supplement for menopause, on va jeter un paquet laboratoire cap prêt pour bon produit ça avec ma coup debout même ou rempli conditions pour faire business ensemble avec vous. Nous toujours dit nous que généralement gens de compagnie ça yo ne pas faire business avec individu, faut qu'on ait un LLC qui enregistré et pour même pour faire contrat ensemble avec vous et pour capable make sure que qui compte bra le vendre, je suppose website ou compte bra le vendre, faut montrer qui c'est le process pour l'utiliser pour même pour voulez bon produit pour qui tu fait business parce que même pour le camper d'ailleurs bien sûr le bon produit c'est macro pour le souli mais vous allez dire mais qui la boîte fait dans sous boîte là tout. OK, c'est pas qui facile je dis n'importe monde qui a lancé et ligne de supplément li n'importe monde qui a lancé ligne de supplément pour monde qui veut faire sport physique ou juste besoin qu'on ait qui est audience ou qui ça a besoin comprendre et faire competitive research pour comprendre qui ça compétition qui est à offrir comment capable améliorer souli et puis reste là guys c'est juste et pour rester constant dans effort pour innover et puis où tu as supposé jouer un résultat et bien sûr il y a un élément pour mettre là-dedans. OK, là nous étudier ces process, est-ce que vous voyez utiliser influencer marketing, est-ce que vous voyez que y a des monde qui parle de sur Instagram, tout ça ça nous va le faire dans live qui va venir samedi soir là. OK, donc j'espère que tout bagaille pour clair pour nous guys. Est-ce que c'est pas une question encore, m'a quitté nous là pour assurer un ordinateur anti-jean à buggy là, la bombe qui a des problèmes, mais moi j'ai apprécié que nous t'es là assurer, moi remercie nous à tout le monde qui était là, moi remercie tout le monde qui était là assurer, c'est un plaisir pour nous là ensemble avec vous et n'attend nous marquer rendez-vous pour samedi prochain, samedi qui va venir là pour nous capable passer la prochaine phase là, une fois que nous comprenons, vous comprenez qui offre qu'on va le faire, on compte sur le vendre, vous comprenez offre ou vous comprenez ce qui forme qu'on va le vendre, est-ce qu'on va le vendre sous forme produit, sous forme info produit, OK, vous devez doit chercher par exemple sur Google, est-ce que vous avez cherché information par exemple comment pour éviter ménopause, how to, OK, regardez est-ce qu'on capable vendre un info produit autour et éventuellement si vous voulez vendre un info produit ou pas aller réécrire info produit pour contour, vous allez chercher OK, est-ce que nèg qui offre affiliate product, OK, est-ce qu'on aller sur plateforme affiliation tant que Commission Junction tant que Clickbank, OK, pour est-ce que genre de produit ça que déjà moun getan gen et que est-ce capable de faire advertising pour me vendre, bien sûr assure que bien sûr d'abord que produit c'est un excellent produit lié déjà pour faire competitive research pour comprendre pour exactement qui ça consomme à chercher, donc à partir de là on capable à partir de là rapidement et facilement à identifier qui affiliate offer qui a fait plus sens pour l'audience pour vendre. Ce n'est pas juste monter sur affiliate plateforme pour dire on va vendre ceci parce que moi que les gens gravity tel bagaille, moi que je vais 10%, etc. Ce n'est pas ça, guys. Ok, c'est pas ça. C'est comprendre d'abord ce qu'on fait dans quel contexte on fait li, et qui côté on veut lire ensemble avec lui et comment on veut vendre customer ça. Alors comprendre comment on vendre customer ça en fonction de qui ça a besoin. Est-ce qu'on va vendre un infoproduit, est-ce qu'on va vendre un service, est-ce qu'on va vendre un stuff, laisse ça reste là ou juste comprendre. Ok, mais comment on va manage bagaille pour me jouer un info produit ça pour me jeune ça pour me jeune ça, est-ce que bal font store, est-ce que bal font store e-commerce pour me faire li, laisse vraiment définir qui façon qui plus facile pour faire et laisse à tout brand ou la fait plus sens tout pour customer là. OK, donc j'espère que ça a été clair pour nous et parce que dans prochaine phase nous va parler de rapidement de brand. OK, vérifier, on persister sur ça, vérifier si il y a demande pour information, est-ce que mon yo a chercher information. OK, et est-ce que mon yo a advertise sur social media, aller dans Facebook ad library, on je non paquet et c'est là n'a que pratiquement nous parler outils utilisés là jusque là, yo gratuit et puis force outils nous parler utiliser dans toute série ça jusqu'à ce que nous fini dans semaine prochaine, yo va le rester gratuit. Donc j'espère que vous avez bénéficié un maximum de live ça, OK, n'a mettez li pour même en dans under playlist là qui c'est playlist sous Jumpstart 2021 là, Jumpstart année 2021, comment pour Jumpstart année 2021 qui c'est une formation que nous t'ai vendre mais nous juste décider guys permettre que ma tout le monde ait accès ensemble avec lui quoi pour live ça qu'on y a ou bien quoi pour lui après. OK, sous avec contact ensemble avec moi directement, numéro directement accessible sous page jour arrivé hein. Sinon guys, moi remercie nous pour temps nous, moi remercie nous pour patience nous pour support nous et moi espérer
que ça te peut vraiment, 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 vraiment bénéfique pour que tu passes en une heure de temps qui peut être en pile valeur pour. OK? Nous connaissons que nous avons en pile et nous avons une formule là, guys. C'est mettre bon Dieu devant tout ça n'a fait et puis reste là, c'est détail. Oh, avant d'aller, pour moi qui pose des questions sur le programme IBA, nous lançons déjà, OK? Donc, nous avons lancé déjà, donc nous avons déjà un 5 premiers mounio. Donc, nous avons préparé nous là pour nous recevoir 5 mounio encore. Et pour le programme e-commerce à Amazon Automation, nous programme lancé, guys. Donc, nous bienvenue. Nous allons aller sur le site directement pour nous capables de plus d'informations. Juste aller sur le site noir, guillaumeverrier.com, pour nous capables de plus d'informations sur chaque programme. Ça, si ça, c'est un bagage qui est éventuellement intéressant. Moi, c'est un bagage de lien là. Bagage lien là dans les liens que je vais mais nous capables juste aller sur non moins. C'est guillaumeverrier. Même j'ai écrit en bas écran là, mais sans tirer sans rien, sans espace. C'est guillaumeverrier.com et vous avez plus d'informations sur différents programmes que nous gagnons. Moi maintenant plus guys, take care, mettez bon Dieu devant tout ça n'a fait, reste là, c'est détail. Bye.